Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de Red Dead Redemption 2. J'étais en train de courir, de chevaucher dans Rhodes et il y a un mec qui était en train de parler d'un serpent. Il a fait Oh, c'est lui, c'est lui, c'est lui! Et du coup, je sais pas, peut-être que c'est un mec que j'ai aidé à aspirer le venin et que du coup, ben, on verra. Hey, this here's the feller, the one that found the medicine man, huh? Helps with the mystery box. I will owe you my whole life, no lie. But let me buy you something from the store. Oh, what? Whatever you want, it's on me. Okay, appreciate it. Having conquered evil the way I have, it's the least a humble man can do. Trop bien. Vas-y, vas-y. Bonjour, je veux le truc le plus cher de votre catalogue. That fool? Jesus. If it's not one thing, it's another with him. But he pays his owes, so who am I to argue? Let me know what you choose. I'll add it to his list. Bon, j'imagine que la nourriture doit pas être le plus cher. Cigare non plus. Ça, on s'en fout. Des balles pour carabine, on s'en fout. Des flèches, on s'en fout. La montre engoussée, à la limite. Bon, 15$. Mais je suis devenu riche en fait. Donc, ah, j'ai des tenues, c'est vrai. Ouais, le chevalier m'intéressait pas mal, je crois. Ah non. Le comte. Le parieur. Le parieur, si, il m'intéressait. Les classes. Le chapeau, le Panama. Un cache-poucher. Un casse-pou. Voilà. Putain, la barbe, elle a poussé vite par contre. Manteau ajusté. Manteau en laine, veste de randonneur. Ah mais on va acheter une tenue complète, comme ça ça fera plus d'argent. Parce que là ça coûte que 10$ les trucs comme ça. Made in America, le compte. Oh. Et celle-là ressemble à quoi, le Airtand? Ouais, on va prendre le chevalier, écoutez. Aux fortes chaleurs. Let him know. You're paying next time, though. Ok, c'est bon. Ah! Je pensais pas l'avoir mis maintenant, en fait. Mon chapeau! Merci, les gars. Pick something up on your tab. Thanks again. Good luck to you. Thank you. Il a vu que j'ai acheté un truc cher, il doit se dire oh merde, pourquoi j'ai accepté? Quoi ça? Ah ok, ça. Oui. Chapeau. Voilà. Je peux garder ça pour le moment, je pense. Putain, mais ma barbe. Ah, ça y est, j'ai un nouveau journal. J'ai toujours pas lu l'ancien. Don't you bother me no more. 46 jours. Ok, prochaine vidéo. Prochaine vidéo, je. Enfin, non, à la fin de la vidéo, plutôt, je lirai le journal. Du coup, là, on va aller voir John Marston, pour une mission chez les Grey. Pourquoi pas. Faudrait que je me rase surtout. Par contre, j'aime pas ma tenue en fait. Sauter sur la diligence, non. Non, 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 Arthur, calme-toi. Je vais me changer en fait parce que j'aime pas cette tenue. J'ai acheté pour rien. Voilà. Déjà mieux. John Marston.
John, c'était, il était avec qui? Avec Sean, je crois, non? Ah non, c'est Hosea qui était avec Sean. Je sais pas. Oula. Une fin de cheval. Can I help you? Well, looks like you boys had some trouble. Ah oui, merde. Yeah, we had some trouble. Bad trouble. L'incendie. What you want? Oh, I was supposed to meet some business partners here. They arranged a meeting, I believe. Fellow with a scar and a Mexican. Yes, sir. Ah, mon cheval qui fait caca. How about the stables, I think. Thank you. And sorry for your troubles, friend. Désolé alors que c'est événement. Bref. Du coup, John Marston. Ah, c'est cool une mission avec John, on en fait pas beaucoup quand même. We're good men, like you. You don't know me. You turn up in town, you're helping everybody. And there's troubles everywhere. Bandits attack my fields. Men getting killed. Just who are you? That awful business was nothing to do with us. I like smoking tobacco, not recklessly burning it. Like I said, had a run of bad luck in the West, lost money in some failed railway speculation. We heard good men can do well in this country. Sure, and bad men. We haven't recovered as well as I'd hoped from the war. My family try. My sons are good boys, but it's been hard. Like I said, some people in the area will hold us all back forever. We need stability. I'm sure. We're an old Scottish family. We work. My daddy taught that You're to okay. me, and I taught my sons. Work hard, be fair. C'est bon, t'as fini de parler? And have you met my partner, Arthur Morgan? No. I met your son, the sheriff. Okay. Mr. Gray here was saying how he had problems with a family. A family of degenerates. Oh, well, nobody likes degenerates. Hag and her inbred sons. They ruined this county. They killed my uncle, you know. That ain't right. Problem is, we can't be seen to get too close. And? Ah, y'a Javier avec nous, putain, j'ai pas vu. Gold, Yankee. We've got gold. I ain't no Yankee, friend. I ain't nothing. My daddy came over on the boat from Scotland. I'm Scottish. And the Braithwaites? Goddamn peasants. I don't know. Mongrels. Slave fuckers. All you gotta do is look at them. How much gold? Enough. These are prized horses I'm talking about. Them, they'll get you 5,000. 5,000? For horses? Easy. Where do we sell them, these $5,000 horses? Over in Clemens Cove. Fellow over there will run them out of state and give you 50 cents on the dollar. Mister, you got yourself a deal. Just keep us away from this. Publicly, I mean. My sense is we keep all horse wrestling away from the public. Ton chapeau est dégueulasse, John. Vraiment. Je sais pas si c'est celui que tu as dans le premier jeu. Stables on the south side of the manor. That's where they keep the thoroughbred. Ok. Crazy old fool. If he only knew we just torched his tobacco crop. Tu dis ça devant les gardes. That was you? The old man was cursing the Braithwaites about that. Burning rich folks' property. Sean was like a pig in shit. I'm sure. 5,000 for horses. They must be rich. Yeah. He doesn't know what he's talking about. But get even a third of that, it'll be worth it. So how are we gonna play this? The place is well guarded.
so there ain't no point in blasting in there. We'll make them think we're there looking to purchase. Three armed men? You'd be armed if you were about to spend 5,000 on horses. We should go in the back way, though. Avoid too many questions. Oui, j'ai fait me prendre le poteau, et alors? Careful. There's a guard. I'll speak to him, okay? All right, then. Can I help you, gentlemen? Yeah, we're here to see about some horses. Horses? Yeah, we had an appointment with Mr. Braithwaite, I believe. Yeah, I never heard about any of this. Our partner wanted to make a significant investment in some stables down here. But perhaps we should look elsewhere. Well, okay then, but head on up to the stables. Someone will come see you. Si, monsieur. Oula, la musique a bugué ou c'est moi? That's it. Nice and easy. No need to rush. We don't want to draw any unnecessary attention. All right, I think that's the stables just up ahead. Heads down, play cool. We'll head around the front, hitch up there. Let's hitch up here. Let me do the talk. Ah merde, elle est là. John Marston. C'est bon? Ah merde, vous m'attendiez. You boys? I hope so. Heard you got some horses. We always got horses. Fine horses, I mean. I don't get you, friend. Yeah, you do. Come on. Listen, why don't you get out of here? You, Scarface, and your greaser buddy. Whoa! I don't like officials. We ain't officials. We're connoisseurs. Whoa, Teddy. Some breedings. Come on now, partner. Okay, fine. Follow me. These here's mainly the studs available for purchase or for working. That's what you're interested in. What is your boys interested in? We represent a famous stable and stud farm from Saratoga. Is that so? Unofficially. Of course. Well, this here's Cerberus. Here you go, boy. Cerberus is a real reliable stud. Fathered many a race winner. This one's Old Faithful. He was a champion, briefly, until he hurt his leg, didn't you, boy? Amazing runner, though. He's up for sale for a decent price. The boss would probably sell him to you if you made the right offer. And this here is Old Father Time. My favorite horse. His coat might be a little thin for them Saratoga winners, but, bred right. He'll produce another winner. Uh-huh, greaser, huh? Okay. Bandana's on. Don't need nobody recognizing us. I'll grab the white one in the middle, you get the other two. J'avoue le plus joli. Relax, boy. Come on. Good boy. Easy there, easy. Whoa, now, easy. Marston. Easy, it's okay. Quoi? Marston, you're gonna tether him up to Javier's horse. Okay. Javier, you're gonna lead the stallions. Marston, you ride point.
I'll cover up the back. If there's any problems, regroup at Clemens Cove. Okay. What are you doing? Let's go, quick! Go, get out of here! What the hell are you doing? Stop! Stop! We're being robbed! I said stop these men! Stop! Look out ahead! They're coming out of the fields! Je l'ai vu. Je me suis dit, il va bouger la tête avant que j'appuie sur le bouton, mais j'étais trop rapide. Get going, you what the hell are you doing? Stop! Stop! We're being robbed! I said stop these men! Stop! Coming this way, out of the fields. Gun them down, but do not hit the horses. Take your pace. Watch out for that wagon. I ain't gonna miss. We got more on horseback. Keep going. I'm coming. Je me... Oh là-bas, je l'ai vu rentrer là. Go left, into the fields. Look there, the fence is down. Come on, let's try to lose them in the trees. Horses to Clemens Cove, quick, before we run into any more trouble. Whoa, you okay there, boy? Oula. No, 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 no. Shit! One of the stallions is loose. Keep going, I'll get him. Gotcha. Easy, easy. La forêt, il essaie de m'enrouler. Hey Morgan! Over here! You got him! Well done! Come here! Clemens Cove's just over there, come on! Let's get this over with. Well, that could have gone smoother. That'll be on my gravestone. Enough! You think they look like they're paying $5,000 for horses? I guess we'll see. Whoa! Wow, comment il pleut? Easy. Mon cheval. Wow, comment il pleut fort! What you boys want? En vrai, pas dans. Heard you was. Heard you pay good prices for horses. Oh, we'll buy more or less anything, Pop. That so? Sure, Oula. Pop. I'm Clay Davies. That's my brother Clive. We're twins. John, Arthur, Javier. Wow. Il faut que j'arrête la vidéo de suite. So what are you? Cuban? No, I don't like Cubans. That so? Maybe. Why, what do you care? You ain't Cuban. Maybe I like Cubans. Ooh, you're funny. He's funny. Ain't he funny, Clive? Clive don't talk.
We're twins, but I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay. Sure. Yeah, I know these horses. They ain't yours. But I like you, and I'll give you... I can give you 650 for them. I was told we could get up to $5,000 for them. And I was told the moon was made of ladies' tears. Only it ain't true. Not one little bit. But... I like you boys, but I ain't got more than 700 on me. You want it, or you want to ride them fellers into town, and maybe someone there will hang you. We're gonna need more than that. I ain't got no more money, Pop. Here, take it or leave it. Uh-huh. All right. You goddamn fool, Marston. Ain't no one around here got $5,000, boys, but nice meeting you. See you boys again, I hope. Come on. Yeah. Close the gate, Clive. Bon, Marston a merdé. Believe the yarn spun us by one of that Gray family. And imagined we was gonna be wonderfully rich. At the end of it, we felt like prize idiots. Ok. Ah, Tilly. Oui. John Mars. Ah non, Mika. Attends, c'est qui? Elle est où, Tilly? Elle m'a parlé, non? Je sais pas. Bon, dans tous les cas, je vais m'arrêter. Enfin, je vais pas m'arrêter là. Je vais, on va lire le journal parce que j'ai deux journaux à lire. Enfin, un jour, la fin d'un journal à lire et un autre en entier. Donc, on va le faire maintenant. J'en étais à un certain article, je sais plus lequel. Hein ? Ah non, d'accord, on peut changer de journal comme ça, ok. Donc on va le lire, article suivant. Je vais lire à partir de la fin. Jeremy Gill, on l'a vu celui-là, on l'a vu, c'est le mec qui nous a donné la carte des animaux légendaires. Tout le monde sait qu'il arrive aux pêcheurs de perdre la tête. Comme les lièvres au printemps, nous avons toutes les peines du monde à résister à l'excitation en assistant à la remontée annuelle des saumons en voyant le triton arc-en-ciel gober des mouches. Il existe toutefois des poissons disponibles à longueur d'année qui apportent tout autant de plaisir lorsque j'ai emmené le pape pêcher le brochet maillé au cours d'un voyage en Italie. Il n'a pas cessé d'être émerveillé par la vigueur de ce poisson denté. Bien que je ne sois pas catholique, je n'ai pu qu'être impressionné par la sagesse et la perspicacité de sa sainteté. Et nous sommes restés d'excellents amis. D'ailleurs, il m'écrit souvent pour discuter de sujets spirituels, ce qui nous ramène au projet maillé, au brochet maillé. Attiré par des leurres cuillères partant d'ensoleillés, ces poissons ne sont pas les plus populaires en raison de leurs nombreuses arêtes. Je vous encourage tout de même à affronter ce prédateur des eaux à Big Valley le temps d'un après-midi. En vous détendant par la suite, vous serez étonné des courbatures causées par votre lutte acharnée. Le plus grand cirque du monde, pour le plaisir des petits et des grands. De la vie générale, aucun numéro de cirque ne surpasse ceux de Margaret, maîtresse du danger. C'est celle avec le lion, le zèbre, etc. Tous les habitants des environs accourent pour profiter de ce spectacle aussi merveilleux que le réjouissant Margaret, maîtresse du danger, la plus grande dompteuse des bêtes sauvages du monde et le summum du divertissement sous chapiteau. Originaire d'Angleterre, Margaret ravit la foule avec sa ménagerie exotique qui comprend zèbres, tigres féroces et lions majestueux. Contrairement aux autres cirques itinérants qui se tournent vers l'exhibition de monstres humains, on voit pas de qui vous parlez, hein. Margaret continue à faire la joie de tous avec ses numéros animaliers exceptionnels. Après plusieurs représentations dans la région, la troupe a plié bagage pour partir s'installer à Rhodes. Okay. La loi du président aggrave l'isolation de l'Amérique, la machine volante... Ah oui, ah ça je m'en souviens, ça je l'avais lu. Le spectacle de funambule, il faut que je le voie là. C'est où déjà? C'est à... Le Peak Bassin à New Austin, ok. Le professeur Cecil Peck, secrétaire de la Smithsonian Institution, travaille d'arrache-pied depuis plusieurs années pour une machine volante à vapeur
pour des fins militaires. L'aérodrome, comme il l'a nommé, est guidé à distance après avoir été propulsé dans les airs à l'aide de catapultes montées sur une maison flottante. Ses premiers engins avaient rencontré un certain succès, réussissant à voler brièvement avant de s'écraser. Cependant, le nouveau modèle a plongé dans la rivière dès son lancement. Le professeur disposait d'un budget de 25 000 $ pour ce projet. Ces expériences ont inspiré de nombreux amateurs de science à travers le pays. À ses dires, la Smithsonian a récemment reçu une lettre détaillée de la White Cycle Company, des fabricants de bicyclettes de l'Ohio, qui ont demandé des publications sur le sujet de l'aéronautique afin de procéder à un, on s'en fout. Ça, je vais le lire en commerçant ici, les tarifs renforcés. Nous devons bannir les produits étrangers, ils ne font que priver nos citoyens d'emploi, nos familles, de nourriture, et ne profitent qu'aux riches manières de l'industrie étrangère, blablabla. Épidémie de typhoïde qui a tué 2500 soldats dans les bases militaires du pays sous son administration. Ok. Bon, nouveau journal. Le 46, ça c'est le journal que je viens tout juste d'acheter. First person slain. Ah, une cinquième personne a été tuée. Bref, je vais pas traduire parce que je suis crevé. Au bord de la vendetta, fusillade sanglante entre familles. On soupçonne un trafic d'alcool de contrebande. Mort et mourant dans les rues. Rod, on vient de nous annoncer une aggravation brutale de l'animosité qui règne depuis plusieurs dizaines d'années entre les Grey et les Braithwaite, deux grandes familles locales dont les querelles constantes remontent à bien avant la guerre. La ville de Rod et ses habitants sont les véritables victimes d'un affrontement entre ces deux puissants clans. Leur dernière altercation a commencé à la maison de tolérance de Rod, qui appartient aux Grey. Apparemment, une histoire d'alcool, de contrebande ou d'argent en serait à l'origine. Des coups de feu ont retenti, suivis par des cris, et les balles ont malheureusement réduit au silence les Grey et les Braithwaite, au même titre que d'autres riches familles de propriétaires de plantations ont vu leur fortune décliner depuis la guerre. La discorde qui règne entre eux depuis la guerre de sécession serait due à un vol mutuel d'or ou de terre. Il y a plus d'un siècle, un motif que plus personne ne peut prouver de nos jours. D'après les rapports, cette nouvelle dispute aurait éclaté lorsque des associés de Braithwaite en sont entrés dans la maison de tolérance de Rod en proposant aux clients de l'alcool gratuit. On se demande de qui c'est pas nous hein. Plusieurs policiers... Attends, l'évasion d'un prisonnier. Un meurtrier condamné à la pendaison. Plusieurs policiers morts dans une fusillade. Une petite ville de montagne est en deuil. Ah, c'est Strawberry. Ah, c'est moi et Mika quand on a tué la moitié de la ville. Un prisonnier condamné à la pendaison pour un meurtre brutal s'est échappé de la prison de Strawberry et a semé la panique dans les villes après une effroyable fusillade. L'attaque a commencé si brusquement qu'elle a pris le shérif et ses hommes au dépourvu. Les dizaines de représentants de la loi ont perdu la vie au cours de cette évasion, considérée comme la plus audacieuse de ces dernières années. On a juste cassé un mur, quoi. Un complice du détenu a attaqué par surprise les autorités de cette ville tranquille, où a bientôt éclaté une cacophonie de coups de feu. Les deux criminels ont réussi à prendre la fuite à l'issue d'une fusillade de grande ampleur. Le médecin local s'est retrouvé tellement débordé face à ses morts et ses blessés qu'on ne l'a pas revu en ville depuis. Un mouchoir qui appartiendrait à l'un des bandits a été découvert sur le chemin qu'ils ont emprunté pour fuir, renfermant un morceau de dent et d'autres signes de blessure. Cependant, un représentant des autorités a déclaré que la poursuite avait impliqué tant de participants que le mouchoir pourrait tout aussi bien être celui de l'une des victimes. J'ai eu peur. J'avoue, j'ai eu peur. Vandalisme sur une statue de Quincy, un héros des Confédérés, reconnu pour son courage à Scarlet Meadows. Une dépêche envoyée par les autorités de Saint-Denis nous informe qu'une statue du général Quincy Harris a été honteusement dégradée. Ce héros de la guerre de sécession a vu ses soldats les plus vaillants se faire massacrer sous ses yeux lors de la bataille de Scarlet Meadows en 1864. Le mot « lâche » a été inscrit sur la statue probablement par des citoyens mal avisés cherchant à ternir la réputation d'un général qui, de l'avis de nombreux historiens, était un modèle de courage. La bataille qui a eu lieu ce jour-là a donné lieu à une terrible carnage. Après la remise en cause des témoignages contradictoires, le général Harris est entré dans l'histoire comme un homme qui n'a jamais trouvé sa veste face à l'adversité. Tourné sa veste face à l'adversité. Une merveille de la technologie de Mapper moderne. Le Cornwall se fait construire un bateau à vapeur le plus rapide du monde. Cornwall, c'est le méchant, hein, enfin un des méchants, celui qui tient le truc de fer, les trains.
Le mania de l'industrie et du rail a passé la commande du premier bateau de natation doté d'une turbine à vapeur, une merveille d'ingénierie conçue au Royaume-Uni. Lors de sa démonstration en 1894, le premier modèle expérimental s'est avéré être le navire le plus rapide du monde. Maintenant que la production commerciale du Turbinia, comme il a été baptisé, a commencé, l'un de ces bateaux remarquables va bientôt entrer en la possession de M. Cornwall, construit selon ses propres exigences avec un degré d'opulence et de grandeur encore jamais vu pour des navires modernes. Ok. Mort d'un homme de loi. Henry Jenkins, un vétéran des forces de l'ordre. Angelo Blonte transmet ses condoléances. On soupçonne un homicide. L'officier Henry Jenkins a été retrouvé mort mardi dernier d'une balle dans la tête. Il aurait été victime d'une embuscade dans les latrines de la maison qu'il occupait avec sa femme, à laquelle il était marié depuis 20 ans. Ce vétéran menait depuis quelque temps une enquête sur Angelo Blonte, un important homme d'affaires de 55 ans résidant dans une demeure cossue de Flavin Street. Monsieur Bronte apporte depuis longtemps son soutien aux forces de l'ordre et participe régulièrement au rassemblement en l'honneur des politiciens de Saint-Denis. Certains ont accusé Bronte de faire partie d'un syndicat coupable de contrebande et d'extorsion, bien que de nombreux représentants du gouvernement le considèrent comme un membre admirable de la communauté locale des affaires. Ils avancent que ses origines italiennes sont à l'origine de ces diffamations et que Blonte est un atout pour la collectivité soulignant. Ok, j'ai pas compris, mais d'accord. Donc Blonte, il faut que je me souvienne de ce prénom, peut-être qu'on le verra plus tard. Une cinquième victime. Des similitudes émergent. Un message écrit en lettres de sang. L'inquiétude s'installe. Ah, c'est peut-être les meurtres que je vois. Une ressemblance troublante avec d'autres décès survenus il y a des années. Le retour des morts rituelles plonge les habitants de Saint-Denis dans la peur. Le corps de la nouvelle victime présentait des caractéristiques identiques au décès survenu il y a plusieurs années. Des traces de dents visibles semblables à celles d'une hyène ou d'un chien, et un message écrit en lettres de sang à ses côtés. Certains avaient mis ces morts sur le compte de la fièvre jaune, mais d'autres accusent maintenant des vampires. À l'époque, les forces de l'ordre de Saint-Denis disaient d'avoir attrapé un pendu le coupable. Bosco Lopez, qui était venu à Saint-Denis par frégate après avoir vécu en Argentine pendant des années. Hein, attends. On pendu le coupable Bosco Lopez qui était venu à Saint-Denis par frégate après avoir vécu en Argentine. Maintenant qu'une cinquième victime a été découverte, les autorités préconisent la prudence. On conseille aux citoyens d'éviter autant que possible de circuler seuls dans la soirée et de barricader les résidences pendant la nuit. Les femmes devraient tout particulièrement rester vigilantes car il leur arrive plus souvent d'être la cible d'attaque. Ok. Le roi du cours et les toilettes de luxe font fureur à Saint-Denis. Depuis que la femme du roi de France Henri II a fait proscrire les tailles épaisses à la cour, le corset est devenu un accessoire indispensable pour tous ceux qui en ont les moyens. À l'aide de dentelles exotiques, des baleines de qualité et de busques de métal, cet éminent artisan local du nom d'Algernon Wasp confectionne de splendides corsets dans son atelier renommé mondial situé à 1-1. Ses produits de chapellerie et de corsetterie rencontrent un succès fou auprès des membres raffinés des classes supérieures qui louent son utilisation des matériaux les plus rares, blablabla. Il y reste un exemple de ce qui fait de Saint-Denis une capitale mondiale de la culture. Ok. Ils ont pris la fuite. Des pillards de Lemoine sont maintenant au Texas. Les ex-soldats renégats des criminels qui forment la milice des pillards de Lemoine, donc ceux qu'il faut que m'attaquer depuis quelques vidéos, ont pour la plupart fui vers le Texas après des affrontements répétés contre le gouvernement et les forces de l'ordre. Les citoyens se sont rapidement lassés de leur message prêchant une doctrine indépendantiste, anti-gouvernementale et anti-fiscale. J'allais dire anti-fasciste, mais... et préféreraient laisser la guerre de sécession derrière eux. Cette milice disparate a passé ces dernières années à dévaliser les employés et institutions du gouvernement, et même de même que des citoyens, après quelques défaites écrasantes, les pillards de Lemoine se sont réfugiés au Texas, où leur mépris des autorités rencontre davantage d'écho. Tu m'étonnes. Un visage gigantesque. Ah, ma carte au trésor! Des voyageurs traversant les Grizzlies ont découvert une gigantesque sculpture taillée dans la falaise par un artiste dont le nom est encore inconnu.
L'homme que l'on aperçoit rarement se suspend à l'aide de cordes et de chanvre et ne travaille sous le soleil de plomb avec son marteau et son burin pour donner le corps à sa vision artistique, celle d'un immense visage dans la roche. D'après les voyageurs, il aurait commencé son projet il y a plusieurs semaines en hommage à sa femme bien-aimée. Greed is American virtue. Ok, donc dans les Grizzlies. Est-ce que je peux mettre pause là? Les Grizzlies, c'est en haut, je crois. Là. Donc par là, il y a un visage de pierre avec. Un trésor. Enfin, c'est moi ou j'ai une prime là, quelque part? Non? Ok. J'ai le photographe, putain, il faut que j'y aille au photographe. Ok. Ok, bon, c'est bon. Du coup, la suite. Au bord de la Vendetta, blablabla. Ils ont pris la fuite, un visage gigantesque. Encore beaucoup de trucs à lire. La tension monte en Europe. Les conséquences de la lutte du pouvoir en Afrique. Les forces britanniques massacrent les colons néerlandais. La lutte pour le pouvoir se poursuit en Afrique, où les territoires des puissances européennes rivales se trouvent à nouveau contestés. La Grande-Bretagne s'est lancée dans une guerre totale contre les Boers, nom donné aux colons néerlandais en Afrique du Sud. Hein, commence à céder face à la Grande-Bretagne qui s'est empressée d'envoyer davantage d'hommes. Les puissances européennes rivales, de convoiter les mines d'or et de diamants, Ok. La femme doit garder le silence. Oula. À l'église, on lui permet de chanter, mais pas de parler. Oh putain. Elle doit se sou... Oh putain, c'est quoi cet article de merde encore? Le premier synode du jour en Virginie a considéré les exercices de piété menés par le révérend T.M. Spriggs, qui a parlé de donner du travail à Dieu à tous. Attends, qui a parlé de donner le travail de Dieu à tous. L'an dernier, son comité a été chargé d'étudier la place et le devoir de la femme selon la Bible, au foyer comme à l'église. Ils ont tiré de ces recherches des conclusions étonnantes. L'ordre reste la loi primordiale du ciel et nécessite la soumission totale et subalterne envers le dirigeant. Oh putain. Malheureusement, cette soumission des femmes par le décret divin est ignorée et même reniée par le mouvement pour les droits de la femme. Le foyer est la sphère privilégiée d'une femme, le seul trône qu'elle peut occuper. L'Église et les Saintes Écritures interdisent aux femmes d'exercer les fonctions de dirigeant ou de mener une prière lors de l'assemblée publique et leur ordonne de garder le silence. La Bible décrit ce qu'une femme peut faire à l'église, chez elle ou en public. On lui permet de chanter lors des messes mixtes ou des rassemblements strictement féminins. Le compte rendu d'études a été signé par les 5 pasteurs qui restent unanimes sur la place de la femme dans la société. J'imagine que tous les pasteurs sont des mecs. Ce journal est du même avis car nous soutenons l'ordre naturel des choses tout en restant avant tout des hommes de science. Attends. Ah oui, donc le journal est d'accord. Ah oui, le journal de merde alors. Pourtant ils font des articles sur le féminisme. Ils sont nuls. Bref, offrez-vous une escapade estivale, chasse et pêche à la grâce. Si vous êtes souffrant, surmené ou simplement en quête de loisirs, la région de la grâce est idéale pour se donner au campement en pleine nature, à la pêche et à la chasse. Ce petit village isolé dans les marais de Bayou regorge de poissons et d'animaux sauvages. Les moyennant une somme raisonnable, un autochtone servira de guide aux voyageurs pour... ou pêcheurs de passage. La Grâce est un village autonome dont les revenus proviennent de la pêche, du tourisme et de l'orangerie à gants. Disposer d'une guide pour la journée est non seulement agréable mais aussi prudent. Leurs services sont actuellement très prisés en raison des récentes attaques d'alligators. Oh. Ah oui, c'est vrai, putain, des alligators, il faudrait que j'aille en tuer quelques-uns. En chasser quelques-uns, pardon. Une banque dévalisée. Ah, Valentine, il parle encore de nous. La banque de Valentine a été dévalisée par une bande de hors-la-loi responsable de plusieurs braquages et des actes de violence. Le directeur de la banque a été distrait par un complice féminin, puis contraint par la force à ouvrir la salle des coffres. Les coffres ont été ouverts. On estime que plusieurs milliers de dollars et de billets de documents commerciaux ont été volés et détruits. Les criminels ont essayé de quitter la ville discrètement, mais en vain. Une fusillade a éclaté. La bande a réussi à échapper à la capture et peu de temps après, la ville entière semblait aux trousses des hors-la-loi. Ces derniers ont été traqués par les autorités qui n'ont pas réussi à mettre la main sur les coupables, évidemment. Braquage de diligence, c'est le dernier article. Les assaillants en fuite d'une grange en feu.
Des voleurs activement recherchés. Ah oui, c'est nous, d'accord. Une diligence de ravitaillement de Cornwall Industries est tombée sur une embuscade au sud de Scarlet Meadows. Allez, moine, la bande des quatre voleurs a ordonné aux gardes d'abandonner le véhicule avant de prendre la fuite avec la diligence volée. Les victimes du braquage ont poursuivi leurs assaillants jusqu'à une ferme non loin de là où les criminels ont été surpris plus tard dans la nuit. Au cours d'une intense fusillade, les bandits ont mis le feu à une grange qui a brûlé intégralement, qui puis ont fui vers des zones boisées au sud. Les autorités fouillent actuellement le périmètre. Le barbu de rivière. La barbu de rivière. Étant un éminent maître de la canne à pêche, de la plume, il m'arrive souvent de me sentir fort concerné face à cette fascination que nourrissent certains pour les usines et les machines. Elles ont tendance à émousser les sens. Je me suis toujours enorgueilli d'être un pêcheur exempt d'étalage, de vanité et de prétention. Raison pour laquelle on me demande fréquemment de parler aussi bien de mes nombreux voyages et de mes talents extraordinaires pour attraper n'importe quel poisson que de sujets spirituels, romantiques et économiques. Il se trouve que la pêche m'a un jour aidé à prévenir une guerre majeure en Europe. Mais c'est une histoire qu'il vaut mieux garder pour une autre fois. La barbue se moque éperdument des batailles, qu'elles se soient produites ou non. Mon prochain défi, attraper la barbue de rivière, la plus grosse que l'on ait jamais vue. Ce poisson affectionne les eaux boueuses et préfère l'écrevisse à tout autre appât, car il est recommandé de pêcher par temps couvert. Car ces mystères de profondeur en... Ok, donc marée, écrevisse et temps de pluie. D'accord. Bon, mais voilà, c'était le petit moment journal. Peut-être que le carnet, il y a des trucs à dire aussi, je sais pas. Non, merde, j'ai trompé le bouton. Non, je sais plus où j'en étais. Non. Ah, j'ai trouvé une jeune femme cinglée. Oh putain, cinglée, carrément. À l'allure vraiment étrange, enfermée dans une sorte de latrine du manoir Braithwaite, ce monde n'est pas un endroit pour les gens comme elle. Ah oui, ça, je l'avais déjà vu. D'accord. La vieille église, on l'a vu, d'accord. Encore un cadavre, ce qui semble avoir un lien avec le précédent. Encore un papier dans la bouche, peut-être des indications, j'en sais rien. Le manoir de Braithwaite, c'est classe. Alcool de contrebande. Des femmes charmantes, j'en ai croisé dans ma vie. Et Catherine Braithwaite, la mère de cette bande de coqs arrogants, n'en est définitivement pas une. Jamais rencontré une harpie pareille. Même le charme d'Osea n'a eu aucun effet sur cette vieille peau. Elle a refusé de nous racheter son propre alcool de contrebande et on s'est retrouvé à le distribuer de distribuer gratuitement pour agacer les propriétaires de saloons de la ville. Osea s'est débrouillé bien dans le rôle de négociant jusqu'à ce qu'on soit interrompu par des imbéciles qu'on avait volés à la gnole. On a réussi à filer, mais c'était juste. Ok. Et son amour interdit, Miss Minilope, une jeune personne. Je me suis retrouvé à défiler avec des suffragettes, rien que pour voir la haine sur le visage des gens du coin, ça valait le coup. Et celle qui menait les troupes, une certaine Massam Kaloun, elle était bien amusante. Les grandes causes et les joies de la démocratie, c'est pas trop mon truc, mais ça m'a plu, cette petite expérience. Le monde change à une vitesse folle. Attendez. Ok, on s'en fout. Donc l'amour interdit. Ah, mais c'était la dernière page. Ok. Bon, ben voilà, il y avait pas grand chose. Du coup, je vais aller me raser. Parce que la barbe, là, commence à être un petit peu trop grosse. Et puis. Ouais, non, je vais pas pêcher. J'allais pêcher, mais non, flemme. Et puis voilà. Du coup, ben, à la prochaine vidéo, je sais pas ce qu'on va faire. Il y a plein de missions au camp. Il y a plus de missions ici. Du coup, on va faire peut-être. Mika ou... Attends, Trelawney, il souhaite vous parler. Et Mika... Heureux les artisans de paix. Donc, artisans de paix. Bon, Mika, ça va être du fight. Et des amis interlopes. Oh, je sais pas ce qu'on va faire. On verra bien. Sur ce, à la prochaine.